Et salut à tous, c'est Exerm, on se retrouve aujourd'hui pour une preview d'Assassin's Creed Valhalla, j'ai pu y jouer environ 4 heures il y a quelques semaines grâce au Cloud Gaming, et aujourd'hui je me propose de vous donner mes premières impressions dans cette vidéo. Avant ça, en fait, je tiens simplement à revenir quelques instants sur les différentes raisons qui m'ont poussé à décaler la sortie de cette vidéo et également à réenregistrer cette introduction que vous êtes en train de regarder. Avec toutes les actualités qu'il y a eu, si vous voulez, autour d'Ubisoft et les différentes révélations sur les conditions de travail des employés, que ce soit en France mais également au Canada, j'ai considéré que c'était beaucoup plus important qu'une simple preview d'un jeu vidéo. En l'espace de quelques semaines, il s'est passé énormément de choses, et pour y voir un petit peu plus clair dans tout ça, je vais essayer d'ici quelques temps de vous proposer un épisode d'un peu de contexte sur le sujet, mais en très résumé pour cette vidéo, plusieurs articles, que ce soit tout d'abord en français puis en anglais, ont partagé les témoignages de dizaines de salariés ou d'anciennes salariés de chez Ubisoft qui décrivaient tout en substance la même chose, une culture d'entreprise particulièrement toxique à l'égard des femmes. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver plusieurs liens vers différents articles, que ce soit chez Libération ou Numérama qui ont fait le travail côté français, ou également Jason Schreier pour Bloomberg qui a pris le relais côté anglophone. Par contre, un petit mot d'avertissement, ne lisez pas ces articles n'importe quand, car je trouve que ça mine le moral, étant donné que ces histoires sont particulièrement sordides, qu'il s'agisse de comportements sexistes, de harcèlement moral ou sexuel, voire carrément d'agression. Un élément qui est particulièrement important à comprendre à mon sens, c'est que si tout ceci a fait l'objet d'autant d'articles, c'est qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, de comportements isolés d'une poignée de personnes, mais bien d'un problème systémique, et d'ailleurs plusieurs employés très haut placés dans l'organigramme d'Ubisoft ont été poussés vers la sortie après la publication de ces différentes enquêtes de la presse, que ce soit des chefs de studio, des personnes qui étaient en charge du pôle éditorial de chez Ubisoft, ainsi que des membres des ressources humaines. Du côté de la direction d'Ubisoft, la réaction s'est faite en plusieurs temps, et au moment où j'enregistrais pour la première fois cette vidéo, Yves Guillemot s'était exprimé au travers d'un email envoyé à toute l'entreprise et rédigé en anglais. Il y donnait en fait les grandes lignes d'un plan pour modifier en profondeur tout ceci, et c'est juste après la publication de cet email que j'avais enregistré pour la première fois la vidéo. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que justement, après cet email, il y a eu la publication d'autres enquêtes qui m'ont véritablement bouleversé, et dans l'émotion, j'avais annoncé peu de temps avant l'UbiForward, donc qui a eu lieu le 12 juillet, que je ne souhaitais pas couvrir cet événement, que je n'avais pas la tête tout simplement à parler de jeux vidéo dans un tel contexte, et je pense encore aujourd'hui qu'il aurait été pertinent pour Ubisoft de simplement décaler de quelques jours la diffusion de ce qui était finalement qu'une simple vidéo préenregistrée. Je ne voulais pas non plus diffuser ma preview à cette période-là, dans cet état-là, c'est pour ça d'ailleurs que j'y reviens aujourd'hui pour ajouter cette introduction. Étant donné que je baigne dedans, j'ai parfaitement conscience qu'il y a une espèce de mouvement perpétuel dans l'industrie du jeu vidéo, il y a des news, des trailers, des annonces, des tests, etc. Et ça a tendance à nous faire oublier les choses en nous faisant passer à un nouveau sujet régulièrement. Et je ne souhaitais pas, tout simplement, participer à diminuer l'impact de ces différents articles, car il va falloir des mois pour que la situation évolue de manière très concrète pour les salariés d'Ubisoft, et je pense que c'est mon rôle en tant qu'influenceur de vous sensibiliser à tout ceci, car pour moi, vraiment, je pense que le bien-être des personnes qui font les jeux vidéo, qui font donc ces jeux auxquels on joue tous les jours, ça me semble être un sujet central. Et ça l'est peut-être encore plus dans le cas d'Ubisoft, car avec plus de 18 000 salariés à travers le monde, c'est aujourd'hui le premier employeur dans le jeu vidéo, c'est également l'un des éditeurs les plus importants, et donc il y a de fortes chances que toute personne qui souhaite faire du jeu vidéo dans sa vie passe un jour ou l'autre par l'un des différents studios d'Ubisoft. Ce genre d'affaire n'a donc rien d'un cas isolé, et nous rappelle malheureusement encore une fois qu'il nous reste un long chemin à parcourir. Depuis le Gamergate, on a trop souvent des exemples de comportements toxiques dans cette industrie. Voilà pour cette nouvelle introduction, je vous remercie vraiment d'avoir pris ces quelques instants pour m'écouter. Je sais que ce sont des sujets qui peuvent parfois agacer ou énerver, mais je pense qu'il faut au contraire simplement s'informer afin de pouvoir se faire son propre avis. Grâce à la magie du montage, le reste de la vidéo est tel que je l'avais enregistré il y a quelques semaines. Une info que je vous donne, parce que ça je ne peux pas évidemment le dire dans la vidéo, c'est qu'en fait au moment où j'ai joué Assassin's Creed Valhalla, j'étais en plein milieu de mon test de Ghost of Tsushima et j'étais donc sous embargo. Et comme je vous dis régulièrement que le contexte dans lequel on découvre un jeu joue énormément sur la perception qu'on en a, je trouve que c'est un très bon exemple, car même si Ghost of Tsushima et Assassin's Creed Valhalla sont finalement des jeux extrêmement similaires, il y en a un des deux que j'ai énormément apprécié, et l'autre c'est Assassin's Creed Valhalla. Merci beaucoup d'avoir écouté ce préambule, on va revenir à la preview. Comme je vous le disais, j'ai joué grâce au Cloud Gaming, donc concrètement j'ai pris les contrôles d'une démo qui tournait sur un PC en local chez Ubisoft, et j'ai téléchargé le lendemain les vidéos en bonne qualité. Forcément, avec le Covid, tout un tas de studios doivent repenser leur approche des previews, des press tours, et j'ai trouvé que c'était en fait une très bonne application du Cloud Gaming, à voir si ça ne se démocratise pas à l'avenir.
En général, dans ce genre de vidéo, j'aime bien vous parler un petit peu du contexte, de l'histoire des séries de jeux dont je vous parle, mais là, bon, je dois bien vous avouer que je sais pas si c'est vraiment très utile de vous présenter la série Assassin's Creed, hein. Si on compte la branche principale de la saga, on en est déjà au 12e épisode, et si jamais on élargit à tous les jeux sortis depuis 2007 qui portent ce nom, on en est déjà à 23. C'est devenu au fil du temps la série phare incontournable d'Ubisoft, à tel point qu'après les soucis à l'époque de Syndicate et Unity, l'éditeur a pris un an de pause afin de peaufiner sa recette et donner à sa saga une orientation très action RPG qui s'inspire notamment de The Witcher 3. Le résultat a déjà donné depuis 2017 deux jeux qui sont très similaires, hein, Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, et maintenant que j'ai joué 4 heures à Valhalla, et bien écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit dans le titre, on prend les mêmes et on recommence. En ce qui concerne mes impressions, si vous voulez, j'ai pas été déçu par cette session de jeu, mais j'ai pas non plus été hypé dans le sens où on retrouve l'écrasante majorité des éléments qui constituent Origin et Odyssey. C'est-à-dire que l'interface à l'écran n'a pas changé, les menus sont toujours les mêmes, on retrouve encore une fois la même approche de l'open world, et comme j'avais rejoué il y a peu de temps, hein, peut-être que vous vous en souvenez sur Twitch, à Origins et Odyssey, bah en fait je me suis senti très rapidement comme à la maison. Alors ça peut bien sûr être vu comme un point positif, hein, je le comprends parfaitement, mais pour ma part, je vous avoue que je m'attendais quand même à un petit peu plus de folie. Et vraiment, je trouve ça dommage car j'aime beaucoup la nouvelle orientation de la série, mais je trouve qu'il manque toujours ce petit quelque chose pour que la saga dépasse, en tout cas à mes yeux, son statut de triple A grand public pour entrer vraiment dans la cour des grands jeux. C'est d'autant plus triste, si vous voulez, que je trouve que chez Ubisoft, ils ont un vrai savoir-faire en matière d'environnement. Ils le prouvent une nouvelle fois avec Valhalla. Moi qui suis fanat d'exploration et de campagne anglaise, j'en ai pris plein les yeux pendant toute la session, même avec le streaming. Bon, évidemment, vous en doutez, hein, l'histoire du jeu n'est pas aussi légère qu'une simple randonnée, c'est même plutôt l'inverse, puisque l'Animus, hein, cette fameuse machine qui nous permet de remonter dans les souvenirs de nos ancêtres, nous transporte cette fois-ci au 9e siècle de notre ère, à l'époque où les peuples connus sous le nom de Vikings ont envahi la Grande-Bretagne et y prévoient de s'installer durablement. Si jamais vous avez vu ou que vous regardez la série qui s'appelle Vikings, justement, l'histoire de Valhalla se situe un siècle après les événements de la série, et ça vous donnera de toute manière une très bonne idée de l'ambiance du jeu qui semble s'en inspirer pas mal. Nous, on joue Eivor, un chef de clan qui cherche à assurer la survie et l'avenir de son peuple sur ces nouvelles terres qui sont pleines de promesses, et pour la première fois dans la série, on va pouvoir en fait changer de genre à tout moment, ce qui fait qu'on peut jouer soit Eivor homme ou Eivor femme à tour de rôle. Je trouve que c'est super pratique, c'est une très bonne idée, étant donné la durée de vie du jeu, ou en tout cas ce que j'imagine être la durée de vie du jeu, ça peut être pas mal de pouvoir briser la monotonie plutôt que de recommencer une partie pour jouer simplement l'autre personnage. On n'en sait malheureusement pas plus encore sur l'histoire de ce personnage justement, si ce n'est que il ou elle est accompagné par un corbeau qui sert encore une fois de drone de reconnaissance, et le truc c'est que dans la mythologie nordique, le corbeau c'est le messager d'Odin, donc j'espère qu'il y aura quand même quelques liens avec cette histoire là, ça serait un petit peu sympa. Dans la preview, au moment où j'ai pris la manette, on est déjà quelques heures après le début du jeu, dans une région qui s'appelle East Anglia, et à ce moment-là de l'histoire, Eivor cherche à faire monter sur le trône local un jeune roi anglais qui devra épouser une viking afin de marquer l'union des deux peuples. Pour y parvenir, il va falloir évidemment se débarrasser de pas mal d'obstacles sur le chemin, et on va découvrir deux vraies nouveautés de cet épisode, ce qu'ils appellent les raids et les assauts. À certains moments, en fait, on va pouvoir décider d'appeler ses troupes pour fondre sur un village, ou bien sortir les béliers s'il faut enfoncer quelques portes. Même si c'est perfectible, j'ai trouvé qu'on ressentait bien toute la violence, toute la fureur de ces affrontements de masse, et j'ai trouvé d'ailleurs que le jeu est légèrement plus rapide que par le passé. On dispose d'ailleurs désormais d'une jauge d'endurance pour nos attaques et nos esquives, et quelque part heureusement, parce que Eivor est vraiment d'une brutalité sans nom. Cette vitesse revue à la hausse, ça renforce vraiment cette impression de barbarie, qui fait qu'on a beaucoup plus l'impression de jouer à Diablo 2 qu'à un ancêtre de Ezio Auditore. A mon avis, ces choix de design, de gameplay, ça colle en fait avec l'objectif d'Ubisoft qui est de nous fournir, je cite, l'expérience viking ultime. En gros, dans cette démo, bah, on peut fracasser des crânes avec des boucliers, on peut sauter à pieds joints en rigolant sur les mâchoires des anglais, et on peut leur envoyer des haches dans le crâne, le tout avec une férocité qu'on n'avait vraiment jamais vue dans la série.
Et le truc, c'est que juste après avoir fait ça, quelques minutes plus tard, on se retrouve à célébrer dans la plus grande joie le mariage du roi dont je parlais tout à l'heure, et de fêter le tout avec des mini-jeux, il va falloir boire le plus vite possible, il faut casser des vases en étant ivre, et il y a bien sûr le grand classique des mariages vikings, le fameux jeu du « empêche ton meilleur ami de tomber du toit de l'église s'il te plaît, il est beaucoup trop bourré ». J'ai pas trouvé de jolie formule, si vous voulez, pour vous le dire, mais en jouant Assassin's Creed Valhalla, j'ai vraiment eu l'impression que si on demandait à des gens comme ça pris au hasard dans la rue de nous raconter le quotidien des vikings, je pense en fait que ça ressemblerait à ça. This area is off limits. You shall be purified. Damn you. Un petit peu au gameplay, je vous ai parlé de la barre d'endurance qui est nouvelle, et il y a également d'autres petites nuances en termes de combat ou de gameplay, notamment dans la gestion des soins qui est un petit peu plus exigeante qu'auparavant. En gros, on doit récolter de la nourriture, des baies, des champignons, des trucs qui traînent un peu partout, afin de remplir une jauge de soins, et donc il va falloir faire gaffe de ne pas la vider en plein milieu d'un combat, surtout lors d'un siège par exemple qui peut traîner en longueur. Mais pour autant, si vous voulez, j'ai pas trouvé que le jeu était très difficile en fait, hein. C'est même l'inverse, hein. Ivor est un personnage qui est tellement puissant, et en comparaison les ennemis sont particulièrement passifs, on a vraiment l'impression qu'en fait le reste du monde joue au ralenti et nous on joue à la bonne vitesse. On est vraiment devenu une machine à tuer, et les attaques spéciales qu'on va débloquer dans l'arbre des talents ou bien les attaques signatures, hein, qui sont associées à chacun des types d'armes qu'on peut utiliser, ne font que renforcer cette impression. Alors évidemment, ça reste Assassin's Creed, hein, donc on peut bien entendu la jouer infiltration, la jouer un peu plus discrète. On peut d'ailleurs, comme c'était annoncé, assassiner n'importe qui, mais dans le cas des boss ou des ennemis un petit peu plus forts, en fait il y a un petit QTE pour déterminer si on va y arriver ou non, et si on n'y arrive pas, en fait on enlève simplement une certaine quantité de vie au lieu de le tuer directement. Mais clairement, je trouve que cette démo n'était pas là pour nous parler de subtilité et de discrétion, étant donné qu'on démarre l'assaut du château en faisant s'écraser notre drakkar dans la muraille ennemie afin de pénétrer dans l'enceinte du château. Donc ça c'était pour la partie un petit peu scénarisée de la preview. Une fois que ça s'était terminé, en fait, bah, j'ai eu un peu plus de 2 heures pour me balader librement et découvrir comment Ubisoft a choisi cette fois-ci d'appliquer sa recette désormais bien connue des mondes ouverts, et vraiment de ce côté-là, il n'y a aucune surprise. On retrouve la distinction entre les quêtes principales, les quêtes annexes, il y a également des trésors à découvrir, et tout un tas de mystères à résoudre, et ça pour le coup, bah, c'est peut-être un des aspects que j'ai le plus apprécié dans cette preview. Je suis quasi persuadé de vous en avoir déjà parlé en live ou éventuellement dans mes différentes vidéos sur les précédents épisodes d'Assassin's Creed, mais j'ai toujours regretté, si vous voulez, que la série n'embrasse pas totalement la fantasy, les mythes ou la magie des époques qu'on traverse, et là pour une fois j'ai eu l'impression que Valhalla avait un tout petit côté fantastique assumé. On croise régulièrement des lieux de culte, des pierres runiques, des antres de sorcières, des trucs comme ça, tout un tas de lieux de remplis d'histoire mais également de spiritualité. Alors on n'est évidemment pas dans God of War, mais à titre personnel je trouve qu'il s'agit quand même d'un pas dans la bonne direction, puisque clairement le réalisme au bout d'un moment ça a ses limites. Au niveau du montage, je vais essayer de vous faire profiter un petit peu plus en longueur des différentes séquences de gameplay pour vous montrer un peu différents passages comme ça de cette exploration. J'ai poursuivi notamment une sorcière dans son antre pour finalement découvrir qu'elle m'avait fait respirer un gaz hallucinogène et ensuite ça donnait lieu à un combat de boss. Un peu plus tard, je me suis retrouvé dans des ruines avec un chien géant, une créature mythique, et je trouve qu'on voit bien avec ce combat de boss là, la hausse du rythme des combats dont je vous parlais tout à l'heure, la caméra notamment, elle bouge très très vite, et c'est presque gênant par moments. Hey!
Alors j'ai pas fait exprès de me retrouver au milieu de tout un tas de combats, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a également des passages un peu plus d'exploration, on va dire même de puzzle, puisque je me suis retrouvé un moment à simplement donner de l'argent un petit peu à des orphelins qui avaient faim, mais également un peu plus tard je me suis retrouvé face à tout un tas de pierres levées et c'était clairement un clin d'œil à Hellblade, puisqu'on devait former un symbole grâce à l'angle de ma caméra. Il y a également un autre moment assez improbable que je voulais vous montrer qui donne je pense une bonne idée de la tonalité du jeu. J'ai croisé une église en ruine en fait dont le sol était jonché de cadavres de soldats avec au milieu de tout ça une sœur qui était en train de prier et j'ai rarement vu un personnage manier le couteau avec autant de dextérité et c'était je pense de loin le combat le plus difficile que j'ai vu dans cette démo tellement elle était rapide avec ses esquives etc. And he has told me much about you too. Stand down, Saxon. I mean you no harm. I warned you to leave. Now God guides my hand! Bien sûr, en dehors de ça, bah, j'ai visité des villages, hein, je suis monté en haut des clochers pour synchroniser la carte, j'ai sauté dans le fond en contrebas, bref, j'ai joué Assassin's Creed Valhalla, mais je regrette vraiment qu'on n'ait pas vu les éléments qui différencient cet épisode des autres, c'est-à-dire par exemple toute la partie de gestion des campements du clan d'Eivor. Je trouve ça dommage qu'on n'y avait pas accès dans cette démo, donc j'espère vraiment qu'on le verra en vidéo avant la sortie du jeu. Je vous le disais tout à l'heure, hein, globalement je trouve que le jeu est magnifique, les paysages sont toujours de qualité dans les jeux Ubisoft, ça c'est vraiment un truc qu'on peut pas leur enlever, mais par contre je trouve qu'on ne faut pas vraiment s'attendre à une espèce de saut de génération. Je suis même assez surpris en fait que Microsoft ait choisi ce jeu là pour mettre en avant le rendu next-gen de sa future console, donc à voir évidemment à quoi ça va ressembler vraiment sur la série X et PS5, il faut savoir s'il y aura une légère différence, mais en tout cas dans la version PC que j'ai pu tester, on voit pas vraiment de grosses nuances par rapport à ce qu'on peut jouer aujourd'hui. On s'approche maintenant doucement de la fin de la vidéo et je pense que vous l'aurez compris, hein, j'ai pas été spécialement enchanté par cette session. J'en parlais d'ailleurs il y a peu dans l'épisode de fin du game qui est consacré à Far Cry 3. Même si Ubisoft a déjà démontré par le passé sa capacité à se remettre en question d'un point de vue créatif, dès qu'une formule fonctionne, le naturel revient au galop et on se remet à dérouler la même recette encore et encore. Je pense en fait que c'est sur cette idée même que je vais conclure ma preview, car si on regarde bien, ça fait maintenant un peu plus d'une douzaine d'années que le principe de l'open world, il a été repris des dizaines et des dizaines de fois, tant et si bien que je pense vraiment que c'est devenu un genre à part entière. Que ça soit Horizon, Mad Max, The Witcher, Batman, Days Gone ou bien sûr les Assassin's Creed, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, les passages d'enquête avec les fameux monologues, on a le pouvoir de détective pour afficher les éléments du décor qui sont importants, on a la possibilité de choisir entre une approche frontale ou furtive, on a une monture le plus souvent ou un véhicule, on a le côté action RPG avec les arbres de talent, d'ailleurs il y a toujours 3 arbres de talent, le tout évidemment dans un jeu qui va durer entre 30 et 60 heures à la louche avec tout un tas de contenu annexe, etc. C'est pour ça que je parle vraiment d'un genre à part entière, hein, puisque même si il y a quelques années on voyait ça comme une espèce de mélange de genres, ah on peut mettre un peu l'infiltration, on peut mettre un peu d'action, etc. dans les open world, c'est cool, au final, tous les jeux ont tendance à faire un peu la même chose aujourd'hui, ce qui va les différencier vraiment, ça va être l'histoire, l'univers, les personnages, etc. Et donc en fait, au même titre qu'on peut trouver des jeux de plateforme, je pense qu'on peut trouver des open world, on peut trouver des battle royale, etc. Et ça fait longtemps en fait, hein, maintenant que les open world ils existent, à mon avis, la matrice originelle, je pense que c'est Assassin's Creed 2, c'est vraiment lui qui a défini cette recette-là
qu'on connaît aujourd'hui, mais paradoxalement, je ne trouve pas que ça soit Ubisoft qui exploite le mieux leur propre recette. J'en veux pour preuve mon récent coup de cœur pour Horizon Zero Dawn, ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que si de loin je pensais que tous les open world étaient un peu les mêmes jeux, justement à cause de ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est dans les détails qu'on va voir tout un tas de nuances et qui font qu'on peut vraiment les distinguer et les apprécier plus ou moins, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai vraiment vu une différence dans la manière de traiter l'open world, l'histoire, etc. dans ces différents jeux. Pour continuer à vous parler un petit peu avec un jargon culinaire, je pense qu'on pourrait très bien comparer en fait tous ces jeux open world à un même plat cuisiné qui serait fait à partir de la même recette, mais dont évidemment le résultat serait très différent d'un endroit à un autre. En fait, avec Assassin's Creed Valhalla, je trouve qu'on est vraiment face à la recette type, hein, l'application très stricte, on a la recette, on a les ingrédients standards, il n'y a aucun écart par rapport aux règles, il n'y a pas du tout de petits grains de folie qui pourraient donner un petit goût unique au résultat, c'est un peu dommage, puisque je me retrouve aujourd'hui à dire que même si c'est Ubisoft qui ont inventé et qui ont vraiment démocratisé cette recette-là, c'est finalement tout un tas d'autres studios qui l'appliquent bien mieux aujourd'hui. Promis, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin. En gros, ce que je retiens moi de cette session-là, c'est que même si j'ai pas passé un mauvais moment ni un très bon moment, j'ai trouvé finalement que c'était dommage parce qu'on n'a pas suffisamment de nouveautés ou d'innovations dans Assassin's Creed Valhalla pour y voir autre chose. En tout cas, moi, je n'y vois pas autre chose que simplement la troisième itération d'une formule qu'on connaît déjà depuis 2017. Le truc, c'est que pour tout un tas de gens, et ça, je le comprends parfaitement, ça sera largement suffisant. Il y a même des chances que ça soit exactement ce que vous attendiez d'Assassin's Creed Valhalla, et dans ce cas-là, vous serez aux anges. Mais pour ma part, puisque l'idée, c'est de vous partager mes impressions, avec tous les jeux qui vont sortir en fin d'année, que ça soit Cyberpunk ou d'autres jeux dont j'espère on entendra enfin parler, je sais que je n'aurai jamais le temps malheureusement de pouvoir accompagner Eivor dans sa conquête de la Grande-Bretagne, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des paysages magnifiques et vous le savez, moi j'adore les modes photo donc j'aurais adoré me faire un petit une petite randonnée comme ça en Grande-Bretagne, mais bon, ça sera peut-être pour un autre moment où j'aurai un peu plus de temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao.